Williams. Ok, on est en ligne. Ok. Bah, bonjour à tous. Ici Ranma, du coup, de Ready to Play, pour vous commenter du coup, ce petit tournoi de Tekken 7 que l'on vous propose, bien sûr, au Génopole de Évry pour le Téléthon. Oh. Je parle plus fort? Ouais, d'accord, ok. D'accord, ok, très bien. Donc, ouais, bienvenue du coup pour ce tournoi Tekken 7 qu'on vous propose pour le Téléthon du coup au Génocentre de Évry. Ici directement vont s'affronter le Noctis de Vaille contre la Anna de Lord Drag, donc ça aime bien les persos DLC. Ça va être un match qui je pense va être intéressant. Donc Noctis c'est un personnage plutôt mi-distance avec ses gros coups d'épée bien sûr et des gros launchers très très puissants. Tandis que Anna ça va être un personnage plutôt mi-distance également avec par exemple son running 2 positif en garde, son crushing dash 1 qui est également positif en garde, donc ça va être un match intéressant. Il va falloir que Anna trouve la possibilité d'approcher, voilà il y a directement des crushing dash 1 qui sont faits. Delo ici très bien joué. Il s'observe un petit peu ce coup qui est très puissant de la part de Noctis ici, ça se poke, vraiment les petits pokes, les petites strings, ça cherche à se baisser de la part de Noctis pour obtenir pourquoi pas une touche en low. Voilà, là le crouching dash 1 qui passe en counter hit, malheureusement le combo était whiff, mais directement voilà, à la relevée le down forward 2 qui touche, le petit coup bien sûr back turn. Ça cherche, voilà, beaucoup de coups low et lent de la part de Anna qui marche très bien au tournoi parce qu'il faut vraiment avoir le réflexe de baisser low et en tournoi avec la pression c'est vraiment difficile. Down forward 1, 2, 3 de la part de Anna pour prendre cette mise à terre. Voilà, ça fait des cancels à base de Chaos Judgment. La stance de Anna, et voilà encore une fois le counter hit sur le crushing dash 1, mais il n'y a pas de combo derrière, le combo est vraiment très très difficile à faire. On se rapproche du coin et voilà, ici le jab en float de la part de ce Noctis qui a essayé de sauter. Très intéressant. Donc voilà, Anna qui prend ses distances et qui trouve ici une touche. Malheureusement elle n'a pas pu combo derrière. Encore une fois crushing dash 1, le down forward 2 qui touche. Attention le combo qui fait très mal. Est-ce que le combo va être optimisé? Non, malheureusement il a essayé de faire un reset qui n'est pas passé. Et ici le petit coup sauté de Noctis qui permet de trouver la mise au sol. Attention ça fait des coups assez unsafe. Là ça reste safe parce que Noctis est un personnage qui a beaucoup de range et de pushback. Voilà, très bon launcher aussi. Malheureusement il n'y a pas eu le combo derrière et la double touche qui donne encore une fois le match à Lord Drak. Lord Drak qui a gagné bien sûr le tournoi à Street Fighter qui avait juste avant. Il est très 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 chaud sur Tekken, un redoutable adversaire. Alors c'est en BO3, oui c'est en BO3, tout à fait, c'est en BO3, donc 1-0 pour Anna. Les joueurs vont pouvoir choisir, donc le perdant, Vi va pouvoir choisir soit de changer de stage, soit de changer de perso, d'essayer de rester sur le même stage, même perso. Donc ça va être un match particulièrement intéressant, les deux joueurs ont leur main. Donc hop, on va pouvoir passer à la deuxième partie directement. On va voir la stratégie qu'il va employer Noctis. Il a employé une stratégie beaucoup de poke. Bien sûr, mi-distance, hein, c'est la base du personnage. Ah, attention, là, Anna qui est très agressive pour empêcher le Noctis d'utiliser ses coups un petit peu fort. Le mur, attention, Anna est très forte au mur comme la plupart des personnages du jeu de toute façon. La chop qui passe, pas de déchop. Le jeu de chop de Noctis qui est relativement classique mais toujours efficace. La chop, chop spéciale. Oh là là, la double chop spéciale. C'est pas déchopé et ça va être presque la mort. Attention, Wake Up Keep qui trouve un combo malheureusement droppé. Et encore une fois, victoire sur ce round de Lord Drak qu'on n'arrête plus sur sa Anna. Bien sûr, Anna, un des derniers persos à être sorti. Juste avant, du coup, les trois persos qui sont arrivés là, Marduk, Julia, ainsi que bien sûr Armor King et Negan, évidemment. Attention, ça se bat près du mur. Bonne touche ici, des bons pokes qui fait beaucoup de dégâts. Malheureusement, la garde qui n'a pas été trouvée sur cette string de la part de Anna. 1-2 et c'est la mort. C'est très très bien joué ici pour cette première manche bien sûr de ce tournoi. Joli launcher qui a été trouvé, malheureusement le combo ne touche pas, mais là par contre la string trouve launch. Encore un combo un petit peu raté malheureusement. Counter hit. Ah, les combos ça drop malheureusement. Ça se touche, ça se cherche. C'est un jeu très agressif, voilà. Avant 3 qui fait toujours réfléchir. Là bien sûr avec cette string qui permet de rattraper au vol la roulade arrière de Noctis qui arrive à trouver quand même le kill sur cette touche. 2-1 du coup pour Anna. Voilà le gros launcher ici, magnifique combo. Est-ce qu'il va être optimisé? Voilà, il est optimisé. Alors il aurait pu être plus optimisé en termes de dégâts mais en termes de pushback contre le mur. C'était intéressant de prendre cette stratégie, malheureusement il n'y a pas de mur sur ce stage.
Ça se cherche à base de beaucoup de chops, hein. Beaucoup de chops qui sont utilisés de la part des... du Noctis surtout. Le Oria qui touche. Problème, ouais, petit problème technique là, malheureusement, il y a sans doute un câble qui a été enlevé, débranché. Ça peut arriver. Oh là là, ce gros combo qui a été fait à partir de cette string. La Rage Art, mais ça va pas. Ah, oh, ça touche! Oh là 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 là. La rapidité de cette Rage Art, ça va pas tuer, mais ça va faire beaucoup de dégâts. Par contre, la Ana qui va avoir la possibilité d'avoir sa Rage également. La Rage Drive d'Ana qui est très forte. Attention, le Running 2. Et ici également, le coup de masse, bien sûr, de la part de l'épée de Noctis. Attention, ça c'était punissable. Voilà, joli duck et jolie punition avec le Wild Running 2, le Wild Standing 2, excusez-moi. Grosse victoire de la part de Ana, bien joué à lui. Qui va pouvoir passer du coup à la phase suivante. Alors pour